Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. On a passé une semaine dernière quelque peu folle avec la préparation du jeu de rôle qui a eu lieu vendredi dernier en live. D'ailleurs, je me suis posé la question, c'est à vous de me dire en commentaire, je me suis demandé s'il fallait pas que je double l'annonce en plus de celle qui a été diffusé sur la chaîne Réussite Critique, sur mon autre chaîne en l'occurrence, s'il ne fallait pas que je fasse une deuxième annonce sur cette chaîne aussi, si ça n'allait pas faire trop redondant, donc à vous de me dire, auquel cas j'y penserai pour la prochaine fois, j'essaierai d'accorder les violons. Donc, vendredi dernier, ça a été plutôt fou, hein. Donc ça a été vraiment cool, on va en rediscuter ce soir en live autour de Peinture sur Figurine avant d'attaquer le tournage de nouveaux épisodes de Dead by Daylight, et en parlant de ça, justement, nous avons cette épisode consacré à l'accomplissement d'une archive destinée à stun le tueur trois fois dans la même partie avec Jane. Donc nous avons une combinaison de compétences suivantes. Nous pouvons utiliser par exemple deux fronts, qui est la compétence de Jane, hein, qui consiste à sortir du casier une fois que vous êtes resté à l'intérieur 3 secondes pour charger la compétence. Alors attention, hein, c'est une compétence qui utilise l'endurance, donc ne prenez pas par exemple le course effréné ou une autre compétence qui utilise l'endurance, sinon vous allez la réduire à néant et réduire à néant son utilisation. Donc deux fronts qui est pratique, hein, pour stun. Nous avons aussi, et on y pense peut-être pas assez, mais Decisive Strike, le coup décisif, qui consiste tout simplement à étourdir le tueur une fois qu'il vous récupère. Si, par exemple, vous venez d'être décroché et qu'il vous sèche au sol, en mettant dans un état critique, s'il vous récupère dans un laps de temps court, eh bien, vous pouvez tenter un QTE pour vous sortir de son épaule. Il y a une autre manière d'utiliser Decisive Strike, hein, c'est-à-dire en allant dans un placard au moment où vous avez été décroché, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, le QTE s'enclenche automatiquement. Donc, du coup, nous avons cette voie-là où nous avons également l'autre voie qui consiste à utiliser les compétences de Hui et par tous les moyens, par exemple pour relever les palettes, parce que vous pouvez stun le tueur, vous pouvez l'étourdir en faisant tomber une palette dessus, et en utilisant la compétence par tous les moyens, vous pouvez les relever pour les réutiliser, donc c'est pratique dans la même partie. Donc on a deux voies qu'on peut utiliser pour stun le tueur. Pour le reste, je vous laisse voir et je vous dis donc à ce soir. C'est parti, viens ici. Fais-moi mal! Moi! Fais-moi mal à moi! Mais non! Voilà. Hop! J'ai les éraflures. Oui, c'est ça. Quoi? Oh. Oh mince, non, l'impopotin, le cracheur de feu. Ouais, bah oui. C'est qui le boss du blagueur? Ok, tu quoi? Tu vas où? Oh mon dieu. Mais j'ai la chanson de générique, mon dieu. Non. Ah, il faudrait que j'ai un autre truc, une autre chanson dans la tête, hein. Il a tout gâché. Bah oui, il a tout gâché. J'espère qu'elle a chili barbecue, hein. J'espère, hein. Point, point, la moins. Oh! Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Elle convulse. C'est pour dire... Attendez, si, je connais ce langage. C'est pour dire... Attendez. Ouais, c'est ça. Allez, Jane. C'est... Ouais. C'est assez... Ouais. Ouais, je lis.
J'ai fait spasme, troisième langue. Hein. Je m'y connais. Vous savez, on apprend tellement de choses dans la soirée du mercredi. Hein. Ramasse-le. Ramasse-le. Go, Jane, go. Oh, incroyable. C'est dans la vidéo, c'est 20h30. La 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 la. Na 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 na. Bah attends. Et c'est raté. Oh là là, oh là là. Oh là. 3 secondes. Je suis là! Allô? Je suis là! Ah bah quand même! Raté! Ouais, certes. Ouais, ça, ouais, il m'a peut-être eu. Peut-être. Peut-être. En attendant, deux personnes accrochées, on est trois moteurs. Pour l'instant, ça, c'est rentable. Ça va, c'est rentable. Laisse-moi sortir de mon placard. Et je te jure que quand je sortirai, à ce moment-là, mon gars. Je te jure. Et quand j'aurai plus un crochet qui sort du poumon, je sors. Allô, ça va, moi ça va, je peux me débrouiller tout seul. Hein. Allô, ouais. C'est rentable pour la chemise. Est-ce qu'on parle du jeu là? Ah ouais, c'est moi, je veux pas parler. Je sais pas, c'est plutôt. Merci. Yui. Soigne-moi. Je sais. Bon, vas-y. Il est bien ou pas? Je m'en rappelle, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est. Ah, attends, mais tu sais. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Allez, c'est parti pour le showroom. Attends, y'a quelqu'un qui soigne, hein? Ah, ouais. C'est pas comme ça qu'on soigne. Oh, raté. Elle est là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Raté. Ouais. Vas-y. Alors non. Oh! Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. On est bien ou pas? Ça va. Pour le stun. Ouais, je sais, mais la palette, non, ça suffisait pas, elle était trop loin. Franchement, pour le stun, elle était vraiment trop loin. Donc ça aurait pas été possible. T'es où? Salut toi. Quoi? Non, tu fais ça? Tu la tunnel? Elle est où? T'es bien? Vous voyez quelque chose? Ok, non? Allô, je suis un survivant! Je suis une victime! Viens me chercher! Ah non, il y a déjà un politicien qui l'a fait. C'est pas très gentil. Ah, c'est bon ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir posé de copyright là-dessus. Allez, allô. Jiran. Ouais, la société totale, en modération. Tout à fait, merci beaucoup. Philippe, alors elle est où? Allô? Allô? T'es où? Ah, salut, ça va? Ah, j'aime pas trop la palette moteur, moi je voulais à la base. Stun le tueur là, il y a une palette là, une palette. Ok. Ouh. Bien teinté, hein. Ouais, ok. Allez, c'est ton moment. C'est... Non. Vas-y, pas le moment, hein. Ouais. Incroyable.
Ouais, j'ai vu un popotin dépasser. Non. Viens. Viens. Ouais. Oh. Non. Attends, j'ai un autre plan. Non, c'est moi la palette. Ma palette. Et devant. Ma palette. Viens. Mais non, mais viens pas là, Philippe. Ok, oui. Ah. Bon. De quoi? Non. Il est en face, hein. Allez, gogo. Ouh, elle est partie par là. Hein. C'est ça, très bien. Petit coup de... Viens d'où? Viens, je suis méchant. Mais viens! Viens! Oui. T'es bloqué. Très bien, pourquoi pas? Faisons ça. Tennis. Allez, remarque-moi! J'ai du charisme! Charisme. Pour les vrais qui sachent. Non? Chez! Ok, très bien. Allez, occupe-toi plutôt du... Contre-cher, je sais. En attendant. Allez, soigne-moi la bile buzzée. Faisais ça, vite, à deux. Go. Merci les filles. Ah, oh, yeah. J'aurais dû faire un peu plus attention à... Trois petits points. Ika. Jamais, Brune, jamais. Ok, t'es où? T'en mets là? Très bien. Na 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 na. Faut que j'assume une fois, hein. Ouais, gars, très bien. Américain. Oh. David Copperfield présente son numéro très spécial. Moi, la citerne. Ah, du coup, tu cherches qui? Naka. Oh, citerne. Sais-tu seulement te casser? Oh non, pas comme ça. Te casse. Dans un placard. Oh, nom de Dieu. Confondez pas tout. Tu es un sorcier, Jane. Ok. Et si je repars ce matin, là, ça va être très problématique pour moi. Je suis en danger. J'ai besoin d'assommer une troisième fois. Ok, trois fois. Ok, yes. Tu es où? Tu viens par où? Ouais. Viens. Venga. Oh.
Tu m'as vu, hein. Oh. Oui. Raté. Je vous ai dit qu'il était badass ou pas? Qu'est-ce que je vous avais dit? Boum 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 boum. Non, il est mon gars. Viens, viens, viens. Des bisous, Max. Au secours. Je suis en danger. Si en plus je trouve la trappe pour y aller, c'est un peu... Tortue ninja, tortue ninja. Kowabonga, des ninjas, quatre tortues d'enfer. Dans la nuit, tortue ninja, tortue ninja. Chevalier écailleux, Odovie nul. Tortue ninja, tortue ninja. Ah, raté. Allez. Non. Abonne-toi, la chasseuse! Très bien.